Bonjour YouTube et bienvenue à vous pour du bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Hotline Miami. La dernière fois on s'était arrêté après Crackdown et donc maintenant on va attaquer par le chapitre 10. Il en reste combien? Ah, il en reste un petit moment quand même. Alors commencez avec l'intro. Voilà. 3 juin 89, Miami, Floride. Ma femme a disparu, enfin ma femme. La nana qu'on avait ramenée à Depop. Bonjour YouTube. Mets un pouce bleu. Salut, c'est Thomas de Downtown Relaxation. On a besoin que tu t'occupes de la réception ce soir. Un de nos employés s'est fait porter malade. Porte quelque chose d'approprié et de discret. Tenth chapter, hot and heavy. Ara, tu veux choisir lequel on joue ou Nara peut-être? Le cochon? Il était où le cochon? On fait un petit avec Aubrey, c'est parti, plus d'armes. On n'a pas un sprint. Après vérification, c'est Bernard Tapie. Rien à voir avec Bernard Tapie. Mais putain, mais je suis attardé ou quoi? Mais putain, je suis attardé, c'est ça en fait. Oh non, quel con, quel nul, quel nul. Mais quel nul. Non, bien sûr que non, parce que en fait les VOD on les fait en plusieurs jours. On recorde pas tout en un jour, bien entendu. Ce serait bâtard. Donc d'ici demain, j'aurais oublié. Ça ferait vraiment branleur de tout tourner le même jour, voyons. Avec le même t-shirt. Personne n'est dupe. Tout le monde est dupe. C'est comme ça que ça fonctionne. Oh non, je suis un débile. Je suis pas fait pour les armes à feu, falloir que je reprenne les points de fureur, hein. Je suis dégueulasse. Roup.
connard. Oh non. Je joue au connard. Non, je suis dégueulasse. Je vais plus reculer. Non, j'ai raté mon coup. Putain, mais... Je suis attardé sur ce niveau. J'espérais qu'on éviterait un moment le niveau d'attardé. Boum. Allez, connard. Pas un fusil à pompe quoi. Voilà, c'est ça qu'on veut. Le bon vieux fusil à pompe. Rappelez-vous, on ne tue pas toute sa famille, IRL. Jésus vous regarde, ne tuez pas votre famille. C'est où la suite? On n'a pas tout cassé? Non, il y en a encore un ici.
Chapter terminated. Beau gosse, non ça va, je suis content de celle-là, elle est pas dégueu. On sent quand même le mec qui prend, commence, tu vois, le mec qui commence à peser un peu dans le gamès, quoi. Mais c'est bon, j'ai compris que j'étais un génie. Classé. VHS Palace. Hey, qu'est-ce que tu regardes? Hey, je t'ai reconnu, tu me fais penser à quelqu'un, vous allez à l'entrée. Mon pote. J'ai rattaché YouTube pour les commentaires. Chut, arrête. Arrête. Mais c'est pas grave, c'est avec lui, je suis là. Sors de mon chemin, connard! Jim à l'appareil du bureau. Juste pour te rappeler qu'on attend ton rapport pour demain matin. Je le sors du bureau à 8h. L'adresse c'est 312e rue au sud-est. Pour si tu as oublié. Arrête, arrête, arrête. C'est désagréable. Personnage est de plus en plus drôle. 11th chapter deadline. On prend qui maintenant? Mille à peu près, un truc comme ça. Rufus. Rufus. Peut survivre à une balle. Oh, il est magnifique, Rufus. J'avais oublié un petit truc, c'est que j'ai pas forcément. Ah putain, c'était un truc de...
tranquille. Attendez. Y'a pas Anguille sous roche là? C'est ça. Ne me déchouille. Mais en vrai, c'est agréable de mourir. Non. 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 Non ! Non ! Bordel ! Non ! Oh ! Le gros connard ! Non ! Oh ! Ça crame-moi la gueule, vas-y. Oh non, oh. Ah vas-y, shoot-moi. Oh oui. Je l'aime bien ce petit... Je commence à bien kiffer ce petit bruit de frein là, tu sais. N'est pas désagréable.
écoutez ça là. Ça vous fait plaisir, super. Non. J'abandonne. On lui a fait des trucs. On lui a fait des trucs, mon pote. Attendez. 50 fois le même son au début. C'est bon, ça. Hein. C'est mal au ventre. 100%. La surprise, c'est l'un des clips les plus vus de ma chaîne. Au moment où je me fais jumpscare pour la voiture qui déboule. Moi, ça va, je suis plus jumpscare parce que je le savais. Mais ouais, la première fois que je l'ai fait, j'ai sauté. Hein. En vrai, celui-là, je l'ai fait. La première fois que je l'ai fait, la voiture, elle m'est arrivée, elle m'a sauté dessus. J'ai, pareil, j'ai la peur de ma vie, quoi. On a débloqué les shurikens. Classé. Tout le monde est mort. Des rituels satanistes dans les toilettes. Eh hey, toi, seuls les VIP sont acceptés ce soir. Ferais mieux de partir, qu'est-ce que tu regardes là? On est éclatés. Après, niveau rupture d'anévrisme, il y a le boss de fin aussi, oui grave. Part 4 Connections. J'étais trop triste à ce moment-là. Ah, te voilà! Je me demandais quand tu reviendrais. Fils, son honneur, t'as gagné! On dirait qu'il ne reste que toi et moi. Tu devrais savoir maintenant que ça va mal se terminer. Bientôt tu seras complètement isolé, peu importe. Avant qu'on se quitte, je vais te révéler un secret. Que tu feras à partir de maintenant ne servira à rien. Tu ne veux pas ce qui se passe, c'est entièrement de ta faute. Il est temps pour toi de partir, bien dilué dans le couloir qui part d'ici, et tu seras besoin de te reposer. Je suis mort, et ma femme aussi. Chapter 12, trauma. Conseil, réveille-toi. Hé hey Doc, quand est-ce que cette raclure va-t-elle se réveiller? Aucune idée, il est dans le coma depuis des semaines. Mais il va se réveiller, hein? Ce type est un suspect majeur dans une grosse affaire. J'en sais aussi peu que vous. Il peut y avoir pour un moment. Il n'est pas encore tout à fait remis de son opération. Et vous ne pouvez rien faire, vous avez besoin de ce type là. Vous n'avez pas été capable de sauver sa petite amie. Vous avez coffré le type qui a tiré sur eux, mais il veut rien lâcher. Et qu'est-ce qui vous dit que ce type va parler? Ce niveau m'a saoulé un peu. Comme ça, il va falloir t'attacher.
peux claquer un toubib en lui mettant un coup de porte ou pas? Hé, hey, ne bouge pas, tu n'as rien à faire ici, retourne dans ta pièce, on revient pas de sécurité. Tu n'as rien à faire ici, blablabla, ta gueule. Ah putain. Je peux pas passer par là. Non, j'ai raté. Ah d'accord. Chapter awesome. On prend qui? Cléiam, on prend qui? Cléiam, on prend qui? Choisis Cléiam. Cléiam, dis-nous qui on prend comme masque. Vas-y. Claim, voilà pas.
Il a pas l'air d'être là. On va prendre Brandon. Putain, on débloque un local. J'ai un plan, regardez. Bon, c'est pas celui-là le plan, regardez. Il me faut le fusil à pompe. Ah. J'ai la seule... J'avais la seule arme du... Le... Mon connard, il est con. Il est con comme une table aussi, cet abruti. J'aurais pas dû... Pas mal, j'ai un plan, regardez. Lui on l'assomme. Alors lui bon, on évite le coup de fusil, alors lui on prend. Quoi? What the fuck? Putain il a... Putain le type il a dodge les balles sans bouger quoi.
T'es sérieux? Putain, quel... T'es sérieux? Mais il est tombé au sol. Allez, sors de là, toi. Oh. Ah, c'était... Il avait un fusil aussi. Ah, ça c'est un... C'est vrai que ça ressemble à ça. Ah, merde. Oh, je suis dégueulasse. Oh, je suis dégueulasse. J'ai trouvé. Faut que j'y arrive. Putain, mais Colombo il fait chier là. J'arrive pas. Ah ouais, mais tu m'étonnes. Enfin, je sais pas, j'ai raté tous mes coups. Au début, je m'en sortais mieux sur celui-là. Il y en a, il a traversé l'écran. Tu m'étonnes. Mais il traverse l'écran! Oh putain de bâtard.
Ah putain, mais... Il y a du peuple, hein. Oh, t'es sérieux? Oh, ça a tué à chaque fois. Hop là. Oh putain, c'est dégueu, c'est dégueu. Oh non, putain, je suis un gros connard. Je suis un giga connard, putain. Oh, il a chopé un fusil à pompe. Il a pris la balle. J'ai fait non. Le début, je l'ai coupé en celui-là. Ah, décidé. Bonjour Don, comment vas-tu Don? Mais c'est un gros connard. C'est incroyable quand même que je ramasse l'arbre que je jette quoi. Ok les gars, ce chien va arriver d'un instant à l'autre. C'est le moment de lui montrer de quoi nous sommes capables. Rappelez-vous que vous avez appris, bonne chance. Suivez les instructions, on s'en sortira toutes.
Dis-moi pas que c'est pas vrai, mais pourquoi tu... Écoute mec, je suis désolé pour ta copine, le prends pas personnellement. Je sais que tu as fait un long chemin pour venir jusqu'ici, mais tu risques d'être déçu. Je n'ai pas vraiment de réponse à te donner. Ah, ça pique. Je sais qu'on est peut-être pas si différents que ça, toi et moi. Toi aussi, tu as reçu ces appels d'appel téléphonique. J'aurais voulu avoir quelque chose à te dire, mais ce n'est pas le cas. La police sait peut-être que c'est moi ce sujet. Tu dois avoir un dossier sur cette affaire quelque part ici, je t'aurais bien demandé de m'épargner, mais on dirait que tu as déjà pris ta décision. Salaud, elle était innocente. La police a peut-être un dossier. Va vers la voiture. Tu finis par pardonner à ce chien. Yes. Classe P. Et voilà les amis, on va s'arrêter là pour le moment. Déjà 48 minutes de VOD. J'espère que ça vous aura plu, YouTube. Faire plein de bisous. Et on se retrouve pour une prochaine VOD. N'oubliez pas le pouce bleu, la cloche. Mettez un j'aime. Ouais, c'est ça, enfin, c'est le pouce bleu. Mettez un commentaire comme quoi c'est génial ce que je fais. Parlez-en à votre famille aussi. Achetez un PC pour le chien, comme ça, justement, lui, le chien, il regardera au moins le stream et tout. Voilà, en espérant que ça vous a plu. Plein de bisous à vous et à la prochaine, les potes. Bisous.